on se pose bien pour frapper. Que les coups soient efficaces. Voilà, pose-toi bien, Youssef. Voilà. Force pas avec ton bras avant. Mets-toi en gaucher. Voilà. C'est ça. Force avec le droit, je veux bien, pas le gauche. Ouais, monsieur. Remplace tes mains, ouah. Pense à ça, pense à ça. Faut tout essayer après. Hein. Ils sont durs là-bas, ça fait du bien. Il y a les sparring qu'il faut. C'est pour ça, je te dis, voilà, avec toi, Liad, on vous emmène là-bas et on se prépare. On se prépare pour moi l'année prochaine, en janvier, je le passe pour le petit. C'est bien. Pas la tête. Ouais, t'as besoin. Ouais, pour... Là, je vais lui faire quelques combats sans casque et tout. Et après, on va. Ouais, bah, il est junior. Là, en septembre, il est senior. Il a 18 ans en pro. Ouais. Pourquoi perdre du temps? Les mecs, qui font des championnats d'Europe, ils ont 30 ans. Ah, ben c'est vrai, en France, c'est ça. C'est vrai. Bon, voilà, si je peux lui monter une petite carrière, voilà, bien, bien ficelé, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Ça a été ? Ouais, ça va. Thank you.
commence à perdre. J'ai mangé aujourd'hui. Ah, bah, vraiment sympa. Bah, moi, vu que je suis entraîneur, c'est un surexcité, donc ma femme me dit, vas-y, on mène-le avec toi. Donc je l'emmenais à la salle, il jouait au foot, il s'amusait. Quoi. Donc il voyait un peu ce qui se passait à la boxe, depuis l'âge de... Ouais, depuis qu'il a 8 ans. Quoi. J'ai laissé faire bien que... En sachant que ça allait être un gros stress à chaque combat. Quoi. C'est pas évident, parce que la boxe c'est quand même un sport dangereux. Pendant tout le combat, t'as toujours peur d'un accident. Il faut toujours avoir un coup qui arrive et qui le mette à terre, quoi. Si la boxe, il prend beaucoup de coups, je sais pas si j'aurais laissé faire. C'est mon fils, quoi. Je préfère l'entraîner moi que qu'il aille faire de la boxe ailleurs. Quoi. Donc voilà, ça s'est fait. Comme je te dis, tout naturellement, il n'y a pas eu de soucis. Il respire, il faut prendre la respiration. Tu vois, mouille-moi un peu. Mouille-moi la tête. Pas beaucoup. Je ne l'ai pas touché, je reviens, mais je reviens avec quoi? Avec la garde. Si je reviens normal, je mange. Mets dans ta tête que tant que la garde est baissée, j'ai mangé. Ne base pas sur l'esquive. T'es pas. T'es un pro, tu bosses comme ça. Mais c'est bien. Mais il t'a donné du fil à retordre, j'aime ça. Vous connaissez, ça se voit. Mais je sais. Vous envoyez. Mais là, tu tombes sur un adversaire, tu ne connais pas mon petit, tu vas être chiffré. Monte là ta garde. Monte ta garde, je veux toujours ta garde, je veux n'aie pas de fatigue. La fatigue, c'est quand on a soufflé, que tu es allé t'asseoir. Tant qu'il y a le truc, monte là ta garde, mets-la toujours, mets ta garde. Voilà. Je vais insister dessus. Ta garde, jusqu'à la garde. Monte là ta garde, s'il te plaît. Ok. Merci. Mais c'est bien, tu as compris. Merci. Je sais qu'il est bien suivi, mon Dieu. Je sais. Il est têtu. Je sais qu'il est têtu comme son père. Les chiens ne font pas les chats. Ouais, c'est cool. Mais insiste sur sa garde, s'il te plaît. Ouais, bon. Qu'il la montre sa garde, s'il te plaît. T'as vu ça, hein? 17 ans, il a beaucoup.
putain, je te jure, souviens-toi, son premier. Il a beaucoup évolué, putain, mais c'est bon. Progresse, progresse. Hey, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, mon gars. Insiste. Mets-le contre un adversaire qu'il ne connaît pas. Là, ça se voit qu'il le connaît. Bah là, il a 19 combats. Hein? Il a 19 combats là maintenant. T'as vu? Si, c'est un pro, normal. Mais il l'a raté à plusieurs reprises, frère. Je le sais. Ah, c'est ça, c'est la reprise, ça fait plus de 2 mois qu'ils sont pas venus. Il m'a dit. C'est important. C'est bien, c'est bien. Hey, t'as raison. Il est bien suivi, arrête. J'ai pas peur. Vas-y, je descends. Ok. Aussi. Hein. Pourquoi ? Tu vas là à 65. Ouais, bah oui. Vite fait. 65, 66, c'est bon. Donc tu as 5 kilos à perdre là. Hein? Eh ben commence à les perdre, Liad. Tu vas souffrir. Faut que je le vois avec le dos et tout là. Ah oui. Eric, s'il a 5 kilos, il vaut mieux qu'il commence maintenant. Bah, ouais, t'inquiète. Là, pour le gars là, il va coûter 65, 66. Ouais. Même lui, c'était dur au début, je voulais pas. Ah ouais, bah j'imagine. Pas au début. Ma mère, après, pareil. Je dis, c'est pas grave. Le coach, c'est son père. Je dis, si un jour il voit que il se fait, tu vois. Ça change rien. Ben oui, ça change. Chaud, chaud. Non, parce que tu as des coachs, ils en ont rien à foutre. Non, non, si t'as des coachs, quand ils voient que t'es nul. Même toi, haut, même si je me fais taper, je finis. Ouais, mais t'as des coachs qui vont pas jeter les points. Voilà. Genre, même t'es nul, ils vont continuer à te faire rire. Comme il y en a des coachs, Eric. Ton père, il a les mains cassées, pourquoi? Ouais. Voilà. Pourquoi il a les mains cassées, Eric? S'il avait eu un bon coach, ben jamais il aurait eu les mains cassées, Liad. C'est vrai. Mm-hmm. C'est beau ou pas? Ouais, c'est vrai. Je t'en fais sans bande et tout. Hein. Trop fragile celui-là. C'était un grand boxeur. C'est une confiance de l'avoir dans mon coin. Parce que c'est mon père et... Faut pas que je le déçois. Faut pas perdre. C'est, je ressens des choses, mais... mais maintenant, c'est son tour, quoi. C'est lui qui boxe, maintenant. Comme j'ai la même passion que lui... je sais pas comment dire, mais... On s'entend bien. Comme je suis toujours avec lui aussi, c'est plus qu'un père, c'est un ami.
Parce que quand t'es le fils du coach, déjà je le vois de partout. Il me surveille de partout. Et c'est beaucoup plus dur que les autres. Et j'ai pas le choix d'être meilleur que les autres, comme je suis le fils du coach. Thank you.